Tom la dépanneuse. Salut Billy. Qu'est-ce que tu fais? Tu déplaces ces blocs pour pouvoir construire une maison. Beau travail, Billy. Allez, une dernière pile de blocs et c'est fini pour aujourd'hui. Que se passe-t-il, Billy? Quelque chose ne va pas? Ah, je pense que tu vas avoir besoin d'aide, Billy. Attends ici. Je vais chercher Tom la dépanneuse. Lui pourra t'aider. Hé, Tom, je vois que tu es très occupé. Tu fais un peu de rangement? Écoute, Tom, Billy le bulldozer a besoin de ton aide. Tu viens avec nous? Super! Allez, c'est parti! Allons retrouver Billy. Ici, Tom. Billy nous attend. Hé, hey, Billy, regarde qui est là. Tu n'as plus à t'inquiéter maintenant. Direction le garage. Est-ce que tu es prêt, Billy? Et toi, Tom? Billy, est-ce que tu peux essayer de bouger ta lame? Oh non, elle ne fonctionne pas. Que faut-il faire, Tom? Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Ah, je vois! Il faut resserrer les vis qui maintiennent la lame au vérin. Est-ce que ce tournevis fera l'affaire? Super! Prêt, Billy? C'est parti! Beau travail, Tom. Billy peut maintenant retourner travailler. Oh, autre chose, Tom? Oh, le pot d'échappement est très abîmé et a besoin d'être remplacé. Est-ce que celui-là ira, Tom? Non? Et pourquoi pas celui-ci? Parfait! Allez, il est temps de le changer! Il te va très bien, Billy! Oh, la peinture à cet endroit est tout abîmée! Il faut repeindre! Quel beau masque, Tom! Quelle couleur va-t-on choisir? Rouge! Non? Orange est un très bon choix, Tom!
Excellent travail! Billy est maintenant comme neuf! À bientôt, Billy! Tom? Hé, Tom! Debout maintenant! Le téléphone sonne! Alors, que se passe-t-il? Oh, Ben, le tracteur est tombé en panne. Allons l'aider. Ben, ça va aller. Tom est en chemin. Il va te réparer en un rien de temps. Tom, où peut bien être Ben? Ben? Regarde, Ben est ici. Dépêchons-nous. Salut Ben, comment vas-tu? Qu'est-ce qui ne va pas? Ben dit que son moteur est en panne. Et en effet, il l'est. Direction le garage, Ben. C'est parti. Nous voilà au garage. Ben, Tom va s'occuper de toi maintenant. Commençons par du nettoyage. Te voilà propre comme un sous-neuf, Ben. Et c'est grâce à Tom. Alors, Tom, qu'est-ce que l'on peut faire? Ah oui, tu as raison. Il faut changer le moteur. Il a l'air vraiment en mauvais état. Est-ce que celui-là fera l'affaire? Tiens, voilà le moteur parfait pour Ben! Ben, regarde! Tom t'a trouvé un nouveau moteur! Excellent travail, Tom! Qu'est-ce qu'il y a, Ben? Il y a un autre problème? Ah, le rétroviseur est cassé! Oh, on a failli ne pas le voir! Je suis sûr que ce n'est pas du tout un problème. N'est-ce pas, Tom? As-tu trouvé, Tom? Je parie que oui. Te voilà avec un nouveau rétroviseur, Ben! Génial! Te voilà complètement réparé! À la prochaine, Ben! Bonjour, Jerry! Prêt pour la course? Waouh!
Tu es super rapide, Jerry. Je suis sûr que tu vas gagner cette course. Allez, rattrape-les. Jerry, que se passe-t-il? Tout va bien? Ne t'inquiète pas, la vraie course est dans quelques heures. On va te réparer d'ici là. Je vais chercher Tom la dépanneuse. Il pourra t'aider. Bonjour Tom, tu as passé une rude journée, on dirait. Jerry a des soucis. Et sa course est dans quelques heures. On a besoin de toi. Super, Tom. Tu es un vrai héros. Allez, viens. Allons chercher Jerry. Tom, Jerry est ici. Il t'attend. Oh, Tom, fais attention. Jerry, Tom est arrivé. Allons-y. Tous au garage. Es-tu prête, Jerry? Et toi, Tom? Bien, par où commencer? À la vitesse où tu roules, Jerry, pas étonnant que tes pneus soient usés. Changeons-les. Est-ce que ceux-ci feront l'affaire? Non? Ah oui, tu as raison. Ils sont trop petits pour Jerry. Que penses-tu de cela? Parfait. Maintenant, retirons les anciens pneus et mettons les nouveaux. C'est très bien comme ça. Waouh, tu es tout beau, Jerry. Autre chose, Tom? Ah oui, il faut changer le siège. Est-ce que celui-ci fera l'affaire? Génial! N'est-ce pas, Jerry? Oh, l'aileron est cassé. Que peut-on faire, Tom? Oui, changeons-le. Alors, quelle couleur lui irait bien? Le rouge avec des bandes noires? Eh, très bon choix, Tom! Wow, Tom! Jerry est maintenant prêt pour la course! Qu'y a-t-il, Tom? Mais oui, bien sûr! Son sticker de participant! Super! Jerry en aura besoin! Allez, bonne chance pour la course, Jerry! Amuse-toi bien!
Qu'est-ce qu'il y a, Franck? Tu as un problème? Appelons Tom la dépanneuse. Il pourra t'aider. Tom, ton ami Franck est en danger. Il faut que tu ailles l'aider. Oh, Franck ne se trouve pas ici. Peut-être qu'il est là-bas. Regarde, Tom, nous avons trouvé Franck. Allons l'aider. Sinon, la ville ne pourra plus être protégée des flammes. Salut, Franck. Te voilà sauvé. Tom est arrivé. Parfait. Retournons au garage. Ok, Tom. Prêt pour réparer le camion de pompiers? C'est parti! Commençons par changer le pare-choc. Il est tout cassé. Celui-là a l'air parfait. Waouh! Il te va comme un gant. Qu'y a-t-il ensuite, Tom? Bien sûr, il faut changer les roues. Nous en avons besoin de 6. Du coup, quelle pile de roues allons-nous choisir, Tom? Bien sûr, celle-ci. Super, Tom! Oh, le réservoir est percé! Il faut le refermer, sinon l'eau ne pourra pas y être stockée. Waouh, Tom! Est-ce que tu vas refermer le trou avec ce soudeur? Bravo, Tom! Tu es superbe, Franck! Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Penses-tu à autre chose? Mais oui, bien sûr! Une toute nouvelle échelle! Vois-tu autre chose à réparer, Tom? Ah, tu as besoin d'un nouveau gyrophare, Franck! Tom, peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Génial, Tom! À bientôt, Franck! Bonjour, Ambre. La journée est terminée? Tu as l'air fatiguée? Il est temps de rentrer à la maison! Ambre, que se passe-t-il? Tu as un problème? Oh non, te voilà en panne! Quelqu'un doit venir te réparer. Appelons Tom la dépanneuse. Il n'habite pas loin. Lui pourra t'aider. Tom! Tom! Ambre a besoin de ton aide. Viens vite!
Ambre se trouve près de l'hôpital. Regarde le panneau, Tom. L'hôpital n'est plus très loin. On y est presque. Oh, la voilà! Ambre, tu es sauvée. Maintenant, tu n'as plus d'inquiétude à avoir. Tom va te réparer. Parfait, Tom. Maintenant, direction le garage. Nous y voilà. Alors, Tom, tu es prêt? C'est parti! Ambre, peux-tu essayer de démarrer une nouvelle fois? Bizarre. Peut-être que cela vient du moteur. Non, il est en parfait état. D'où pourrait donc venir le problème? Peux-tu voir quelque chose là-dessous? Oh, le pot d'échappement est cassé! Que devrions-nous faire, Tom? Le ressouder! Très bonne idée! Et ensuite? Ah, tu penses qu'Ambre a besoin de nouvelles jantes? Celle-ci peut-être? Oh, elles sont trop grandes? Celle-là? Entendu. Je suppose qu'Ambre peut repartir maintenant. Ah, pas encore, on dirait. La sirène d'Ambre est cassée. Il va falloir la changer, Tom. Super! Je pense que nous avons trouvé la parfaite sirène pour Ambre. Très bon choix, Tom! Ambre est parfaite comme ceci. Et c'est grâce à toi, Tom! Il est l'heure d'y aller maintenant. Au revoir, Ambre! Bonjour Charlie, tu travailles dur, dis-moi. Oh
Oh non, Charlie, ton crochet s'est cassé. Eh, ne t'inquiète pas, Charlie. Tom, la dépanneuse, peut te réparer en quelques minutes. Reste ici, le temps que j'aille le chercher. Eh, Tom, Charlie la grue a un problème. Allons-y. Tom, as-tu trouvé Charlie? Regarde, il est ici. Dépêchons-nous. Hé, hey, Charlie, Tom est ici. Direction le garage, Charlie. Ce n'est pas évident. Hein. Allez. Nous voilà au garage. Charlie, Tom va t'examiner. Tout d'abord, nous devons remplacer le crochet. Voyons ce que nous avons en stock. Est-ce que celui-ci fera l'affaire, Tom? Ah, tu as raison, il n'est pas assez résistant. Et que penses-tu de celui-ci? Mais non, c'est une encre. Et celui-là? Parfait. Tu as bonne mine, Charlie. Merci beaucoup, Tom. Autre chose, Tom? Ah oui, la plateforme tournante coince un peu, Tom. Qu'est-ce que tu proposes? Oui, tu as raison. Réparons-la à l'aide de la clé à molette et ça fonctionnera mieux. Là, voici la clé à molette. Parfait. Charlie, voyons voir si la plateforme tournante fonctionne bien maintenant. Eh, super! Que se passe-t-il, Tom? Un problème? Ah, un phare cassé! Nous avons failli passer à côté. Mais j'imagine que ce n'est pas du tout un problème. Tom, je suis sûr que tu peux facilement le réparer. Quelle taille ira pour le nouveau phare de Charlie, Tom? Alors, qu'en penses-tu, Tom? Oui, tu as raison. Celui-là semble parfait. Charlie, tu as un nouveau phare maintenant. Autre chose, Tom? Bonne idée! Donnons à Charlie une bonne douche. C'est parti! Waouh!
Maintenant, tu es tout propre, Charlie. Super travail, Tom. Au revoir, Charlie. Tom, réveille-toi. Le téléphone sonne. Il semblerait que Matt, la voiture de police, soit en panne. Allons l'aider. Mais où peut bien se trouver Matt? Est-ce que tu le vois, Tom? Peut-être est-il du côté de l'aire de jeu? Oh non, il n'est pas là non plus. Regarde devant toi, Tom. Nous l'avons trouvé. Allons voir ce qu'il se passe. Salut, Matt. Tu n'as plus d'inquiétude à avoir. Tom est là pour t'aider. Parfait. Retournons au garage. Par quoi pourrait-on commencer, Tom? Parfait. Changeons le moteur en premier. Enlevons l'ancien moteur et replaçons-le par un nouveau. Sais-tu où l'on peut trouver un nouveau moteur, Tom? Celui-là fera parfaitement l'affaire. Qu'avons-nous d'autre à faire, Tom? Ah, exact. Changeons les roues. Pour changer les roues, il faut surélever Matt. Quelles roues iront à Matt? Celles-là, peut-être? Tu as raison. Elles sont trop grandes pour Matt. Alors celles-ci? Tu as raison, ce sont des roues de vélo. Celles-là seront parfaites. Qu'y a-t-il, Tom? Mais bien sûr! Un tout nouveau gyrophare pour Matt! Quelle bonne idée! Waouh, Matt! Tu es comme neuf! À la prochaine, Matt! Est-ce que tu poursuis cette voiture qui dépasse la limitation de vitesse? Regarde, il est passé au feu rouge! Ne le laisse pas s'enfuir! Vas-y, Hector!
Hé, Hector, attention! Oh, Hector, il y a de la fumée qui sort de ton hélice. Hector, attention! Attention! Oups. Oh, Hector, ne t'inquiète pas, d'accord? C'était simplement pas de chance que tu aies raté cette voiture. Oh, tu as besoin d'aide, Hector. Je vais appeler Tom la dépanneuse pour te réparer. Attends ici. Hey, Tom! Tom! Nous avons besoin de ton aide. Hector, l'hélicoptère a des ennuis. Dépêchons-nous, Tom! Suzy, Tom jouera avec toi plus tard. Au revoir. À gauche, Tom! Super! Regarde, il est là! Vite! Hé, Hector! Tom est là! Tu n'as plus à t'inquiéter maintenant. Allons au garage, Hector. Tu es prêt, Tom? Non, Tom. Hector n'a pas de roue. Ça va être difficile de le déplacer. Que pouvons-nous faire? Brillante idée, Tom. Tu peux aller chercher une remorque? Pendant que je vais demander à Charlie la grue de nous aider à soulever Hector pour le placer dans la remorque. Charlie ? Charlie ? Nous avons besoin de ton aide. Hector a eu un accident. Allons-y ! Voilà Charlie. Tom a besoin de ton aide pour soulever Hector et le placer dans la remorque. Attention! Parfait, Charlie! Merci pour tout! À bientôt! Allons au garage maintenant! Hector, Tom va t'examiner maintenant. Une des pales du rotor manque. Ça va être difficile de voler sans ça. Cherchons une nouvelle pale pour Hector. Est-ce que celle-ci fera l'affaire, Tom? Non? Et celle-ci? Non plus. Que penses-tu de celle-là? Parfait. Et voilà. Bon travail, Tom. Quoi d'autre? Oui, occupons-nous des patins d'atterrissage. Oui, tu as raison. Nous devons le remplacer complètement. Ah, ça va être un peu plus compliqué que ce que tu pensais. Parfait, Tom. Avons-nous besoin d'autre chose? Une clé à molette, bien sûr! C'est parfait! Super!
Attention avec les vis maintenant. Et voilà, un patin d'atterrissage tout neuf. Bon travail, Tom. Maintenant, Hector est parfaitement stable. Passons à l'hélice arrière. Alors, es-tu prêt, Hector ? Super travail ! Ça y est, tu peux y aller, Hector ! Au revoir, Hector ! Salut, Jérémy ! Comment vas-tu ? Jérémy, attention ! Regarde devant toi ! Oh ! Tout va bien, Jérémy ? Appelons Tom la dépanneuse. Il pourra te réparer. Attends-nous ici, d'accord ? Tom ! Hey, Tom ! Jérémy, le taxi a besoin de ton aide. Allez, dépêchons-nous. À gauche. Oh, pas si vite, Tom. Il y a un feu rouge. Et c'est reparti. Jérémy, Tom est arrivé. Il va pouvoir t'aider. Direction le garage, Jérémy. C'est parti. Nous voilà au garage. Allez, au travail. Par quoi doit-on commencer, Tom ? Très bien, commençons par changer la grille avant. Cela doit faire mal. Celle-là a l'air parfaite. Ah, tu as déjà meilleure mine, Jérémy. Maintenant, voyons voir ce qui ne va pas avec ce moteur. Bien sûr, il faut le changer. Regarde par là, Tom. Est-ce que celui-là ira ? Retirons l'ancien moteur et remplaçons-le par le nouveau. Génial ! Tom ! Regarde cette grosse fissure sur le pare-brise de Jérémy. Cela peut être dangereux. Prêt, Jérémy ? 1, 2, 3. Maintenant, il faut te trouver un nouveau pare-brise. Celui-ci, Tom ? Effectivement, il sera trop grand pour lui. Et celui-là ? Parfait.
Super! Te voilà comme neuf, Jérémy! Oh oh! Ce signal lumineux est cassé! Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Voilà exactement ce dont on a besoin, Jérémy, non? Super, Tom! Du coup, lequel doit-on choisir? Celui-ci, Tom? Alors celui-là? Parfait! Allez, remplaçons-le! Ce nouveau signal lumineux brille parfaitement! Jérémy a l'air ravi! À bientôt, Jérémy! Passe une bonne journée! Et toi aussi, Tom! À la prochaine!